Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de idées à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer comment réaliser ce petit renne en boule de Noël. Donc on va avoir besoin de pelote beige brun beige pour la tête, un peu dans les tons bruns aussi, donc un peu d'orange, un peu de rose, un peu plus fine peut-être comme là, c'est bien. Après, j'ai voilà, plein d'yeux en vert, voilà, différentes couleurs pour faire le visage après, pour le travailler. Donc après, on va prendre vraiment un crochet fin pour la petite laine et puis pour le reste, toujours 3,5. Alors, on va commencer avec la petite boule. On va faire 6 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre et cinq. Ensuite, donc on y va. Donc dans chaque maille, après, il faut doubler, hein. Donc là, il faut qu'on arrive à 12, 12 mailles. Donc troisième rang, après avoir tout doublé, on va travailler toutes les deux mailles. Donc on va doubler toutes les deux mailles plutôt. Voilà, donc à nouveau, 3. Ouais, on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc on arrive à toutes les 3, dont double. Comme ça, on arrive à 24 mailles. Donc là, on est sur notre base de 24 mailles. Voilà, après on arrivait maintenant au nombre d'augmentations pour et on a atteint donc 36. Maintenant, on n'a plus qu'à continuer. Avec une maille serrée dans chacune des mailles. Donc on va faire tout simple sans augmentation cette fois-ci. Et voilà, donc là on y arrive. J'ai fait 5 rangs comme ceci, donc en maille serrée sans augmentation. Et donc là on va commencer à diminuer maintenant. On va dans la première maille et on va continuer donc à crocheter. Donc une, deux, trois, quatre. Et voilà, donc on va faire toutes les cinq, hein, toutes les cinq mailles, on va faire notre diminution. À travers la cinquième, la sixième, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on s'arrive à la fin. Donc maintenant, vous n'avez plus que 30 mailles après avoir fait cette diminution. Et ça veut dire qu'aussi que donc pour ce rang-là, on y va, on va faire une diminution toutes les 4 mailles. On arrivera à 24 mailles. Voilà. Et maintenant, toutes les 3 mailles, on fait une diminution. Là, je fais une petite pause. Donc là.
Donc là, il ne me reste plus que 18 mailles. Donc voilà, on peut voir, on commence à voir le... Travailler le visage. Donc on peut y aller, on commence avec ce nez, c'est plus simple comme ça à ce niveau-là. Donc j'ai préparé aussi donc les yeux en vert. J'ai choisi la couleur marron. Voilà, donc ça ira à peu près là. Voilà, donc le visage est dessiné maintenant. Donc c'est ce que ça donne. Donc on a tout en place. On n'a plus qu'à remplir de watts. Bien, on le remplit bien. Comme ça devient bien rond. Et après, une fois qu'on est bon à ce niveau-là, on peut continuer à les diminutions. Voilà ce que ça donne. Et donc là, on diminue toutes les deux mailles cette fois-ci. Une. Il nous reste 12 mailles maintenant. Et donc maintenant, on va faire une diminution dans chacune des mailles. Et voilà, vous n'avez plus qu'à fermer votre petite. Donc vous avez cette petite, ce petit bout de fil hein, que vous allez de toute façon cacher ensuite dans la boule. Et le fil d'en bas, vous n'avez plus qu'à coudre. Et après, plus qu'à ajouter les petits éléments finaux. Donc les oreilles et le reste. Donc là, bon, j'ai la petite corde. Enfin, je travaille avec le petit fil en rose. Je travaille à ce niveau-là ici. Au niveau de la deuxième, du deuxième rang. Donc j'arrive à la fin du rang, voilà ce que ça donne. Donc là on va continuer, on va rester sur cette base de 12 mailles. Voilà, donc j'essaie de travailler. Et maintenant on va commencer à diminuer. Comme ça on arrive à une base de 6 et on n'aura plus qu'à fermé. Donc j'arrive à la fin du rang et on va au niveau de la maille opposée. On passe le fil et on fait maille coulée. Un petit peu pour pouvoir bien le coudre après. Voilà, donc ça fait la base pour pouvoir ensuite
Donc ça, c'est pour pouvoir la suspendre. Donc là, ce sont les petites oreilles. On va pouvoir les coudre. Et aussi les boas du renne. Voilà, et puis vous pouvez les coudre en haut. Après, vous n'avez plus qu'à coudre et ça sera terminé. Et voilà. Voilà, on a les oreilles, tout est cousu. Tout est cousu, il n'y a plus de fil qui dépasse. Et on a notre petite boule de Noël reine qui est terminée maintenant. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aimer la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la petite cloche aussi pour ne plus manquer aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!